Brian, racontez-nous ce final, c'était extrêmement nerveux. Il y a eu des chutes, ça a pas mal changé la physionomie de la course, racontez-nous. Ouais, il y a eu beaucoup de chutes. J'ai vu un vélo me passer par-dessus à juste avant 10 km de l'arrivée, mais ouais, ça a été très nerveux. Et voilà, même dans l'emballage final, j'étais pris dans une cassure avec Christophe à 700 mètres ou 800 mètres de la ligne. Et ça a fait un bel effort. Ouais, justement, à l'arrivée, c'était pas facile à gérer. Fallait d'abord revenir dans les roues avant de lancer son sprint. J'imagine que vous y avez laissé beaucoup de force. Ouais, j'ai laissé beaucoup de force dans ce. Je pense que bon, Jakobsen était plus rapide, il n'y a aucun souci. Je manquais peut-être un petit peu de braquet sur une arrivée vent de dos comme ça, mais bon, voilà, écoute, on fait troisième. Je crois qu'Ian n'a pas perdu trop de temps. C'est plutôt une bonne journée pour l'équipe. Merci beaucoup, Brian. Merci.